c'est des bons pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Bienvenue dans ce nouvel petit épisode de la passion, de la très grosse, grosse, grosse passion. On va démarrer le V8. Ah, le plaisir. Petite arrivée fracassante chez tu fous un peu les canards. Tu fous un peu trop le bordel, toi. T'es le seul représentant du magasin aujourd'hui. Oui. Son acolyte a eu des petits problèmes techniques. En fait, on peut le dire, ton collègue, il a barné dans l'œil. Il a vraiment barné entièrement. Alors, on va vous montrer, il s'est passé des choses ces derniers temps sur Barnet. C'est pour ça que vous ne le voyez pas chez moi et qu'il y en a beaucoup, ils sont au bord de l'inquiétude. En fait, c'est en discutant ça, je crois. Il a pris. Il s'est retrouvé avec un morceau de Barnet dans l'œil. Donc là, ce matin, il est à l'hôpital et on va commencer cette vidéo sans lui. Voilà. Mais voilà, Barnet, c'est un camion qui laisse des souvenirs. Bon, avant de vous montrer ce qui a déjà été fait, on va vous expliquer un peu le projet. Parce que s'il est aujourd'hui dans leur atelier, c'est pas juste parce qu'il a envie de passer quelques temps au pays des mecs qui bouffent de la chocolatine. Il est heureux ici. Autant te dire qu'il est triste chez moi, c'est ça que ça veut dire? Regarde, t'arrives même pas à le mettre à l'abri, ma couille. Moi, chez moi, il dort à l'abri. Bon, du coup, Barnet, c'est un projet qui arrive bientôt à la fin, mais il manque des gros morceaux quand même. Du genre des gros morceaux. Crac, 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 crac. Et cet homme-là, malgré que je l'aime pas tant que ça, il sait faire. Donc là, Bastien, tu nous expliques un peu ce que t'as fait? Alors. À part de branler les couilles sur Pornhub, là, ces dernières semaines. C'est Daisy Bloom qui fait ça, je sais pas si tu connais. C'est qui ça? Tira pas. Daisy Bloom. Daisy Bloom. C'est un site? Dylan, il connaît très bien. Non, c'est une copine? Ouais, c'est une copine. On mettra le lien en description. Copine américaine. On mettra le lien en description. Bon, là, il y a YouTube. Alors, voilà, déjà, on a refait tous tes supports de garde-boue. De garde-boue. Parce que voilà, moi, je mets des pare-lock. Alors, on a laissé un côté exprès et aussi parce qu'il en a un morceau dans l'œil. D'origine, le garde-boue, c'est pris avec ce truc-là. Moi, c'était tout rouillé. Il y en a plein qui m'ont dit, ah, pourquoi tu l'as repas, c'est tout rouillé? Parce que je savais qu'on allait passer à cette étape-là à un moment donné. Donc, il y a eu cut là. Là, il y a eu cut et il y a eu raboutage. Parce que le but, en gros, c'est de pouvoir fixer les garde-boue avec des petites pièces du genre. Et c'est moins lourd, c'est plus discret, ça se voit moins. Et puis c'est neuf. Hein. Et puis ça sera tout neuf. Et ça sera tout neuf. En plus de ça, les tubes, on les verra pas parce que bah, à l'arrière. Ouais. Bah, mettre un pare-choc. Quelque chose à l'arrière. Mettre un pare-choc. Un truc. Donc là, t'as fait un côté pour l'instant. Enfin, vous. Je dis tu, mais vous êtes deux. Ouais, hein. Il va arriver. Donc là, pour l'instant, on en est là. T'as fait ce côté-là. Ouais, l'autre côté, il en reste un morceau. On va le terminer ensemble ce matin. Et c'est pas tout ce qui a été fait. T'as déjà vu la cage au folle, toi? Oui. Ça se voit. Alors, pas à cause de cette cage-là, mais à ce genre de cage-là. Donc là, les couilles, on est face à... C'est un monument. Voilà, c'est la cathédrale de la soudure. Alors, vous vous rendez peut-être pas compte, mais moi, je sais ce que ça représente, le temps à souder, à couper, à souder. En plus, vous avez fait des belles soudures tout le tour, les gars, ça fait plaisir, vous êtes bien appliqué. Donc là, ah, il manque un cordon là. Ah, t'as fauté. Voilà. T'as fauté. Bah, on est viré. Voilà, t'es viré. Je t'ai demandé que ça soit plutôt léger, facile à démonter. Et léger, c'était quand même important. Ouais. Et surtout qu'après, si on marche sur le châssis, ça se déforme pas. Ouais. Donc vous, parce que c'est votre métier à un moment donné, vous avez calculé la distance entre les entre chaque morceau avec une épaisseur de. Parce qu'en fait, t'avais deux choix. C'était soit mettre un plancher plus épais et écarter un peu plus les tubes, ou rapprocher les tubes et se mettre une tôle par-dessus plus fine. Et là, du coup, vous aviez fait un mix des deux pour essayer de trouver un truc cohérent qui bouge pas et qui reste plutôt léger. Donc c'est pareil, il fallait penser aussi aux trous. Pour les réservoirs partout, et compagnie. Il y a vraiment tout à penser, tous les plans à faire. Là, il y a des petits tirs-tours. On va vous montrer. Ah ouais, c'est pour finir. Et ils ont bossé, les gars. Ils ont bossé. Ouais, puis toi, ma couille, t'es pas parti faire du. Et tu sais quoi, il est parti, ça s'est entendu. Ouais, t'as vu, on est tranquille. Ouais, alors là, on est face à un mec qui aime chercher. Oui. Aussi, un mec qui aime les Honda, c'est un mec qui aime chercher. Je l'ai inspiré, je crois. Il est en train de refaire ce que j'ai fait, moi, il y a l'année dernière sur la Golf 1 GTI. Je compatis fort. C'est chiant ce que t'en. Alors lui en plus il est level au dessus, c'est que tu vas te faire chier à tout ressouder. Dylan va tout me souder au semi-auto. Ouais. Pour renforcer la caisse. Voilà. Parce que ça reste une Honda, c'est friable. Moins qu'une VV pour tomber plus. Oui, moins qu'une VV. Mais non mais ouais, bah bon courage hein. Bah, il faut, hein. Merci. Bon, du coup, les grands discours font pas les longues journées. Voilà. Milwou side. Non, mais toi. Moi non plus, ils m'ont toujours rien envoyé. Toujours rien. Putain, on attend. C'est dur, parce que nous on bosse. Regarde, nous on bosse. Ouais.
C'est pas pour faire des photos de grandes servantes. Ouais, ouais. Hein, nous, c'est pour vraiment on que ça serve. C'est peut-être pour ça qu'ils s'inquiètent un peu quand même. Ouais, ils ont raison de pas de les envoyer. Non, on cherche des... Ouais. Ça rassure un peu. Ouais, donc du coup, les grands discours font pas la longue journée. Voilà. Est-ce qu'on irait pas se baiser un café? Allez, on va boire un petit café avec la scie. Content que tu sois rentré parce que avec ton collègue, ça devient compliqué là. Putain. Ouais, mais j'ai vu qu'il commençait à manger des pains au chocolat. Ouais, mais... ouais, mais... Hey, il a avoué. Mais on allait se baiser un café justement, tu vois. Ouais. Regarde, demande-lui de parle-lui des igloos. C'est qui? Oh putain. Dis-nous tout. Ah là 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 là. Qu'est-ce que t'as fait ces derniers temps au fin fond de ton on pyjama? Rien, et c'est lui qui a trouvé tout ça et on a tout trouvé. Le lien sera mis en description. Ah, des morceaux de Barnet, t'en avais deux. Allez, tu les as récupérés? Tu les as récupérés? Pour te consoler, j'ai ramené des pains au chocolat. Ah, ça c'est bien. Eh mais les gars, vous avez changé? Sérieux, je te dis, j'ai ramené des pains au chocolat, tu dis ça fait plaisir, c'est bon, il faut que les filles, ça y est, vous avez compris, c'est fini en fait. On va pas te contredire. Bah tu les ramènes de chez toi, non? Tu les as achetés ici. Ah, tu les as achetés ici. C'est des pains au chocolat? Non, non, c'est des chocolatines. Non, c'est des... Regarde. Remarque, vu la gueule qu'elle a, c'est peut-être... Non, ça reste un pain au chocolat quand même. C'est un pain au chocolat, mais mal fait quoi. Ouais. Parce qu'il est fait chez vous. On a les meilleurs boulangeries. Qu'est-ce qu'ils font les deux là? Je sais pas, j'entends tes vraiment. Mais alors, la meilleure boulangerie là que t'es en train de vanter, il est bon? Ah bah ouais. Ça vient de chez Lidl, la grande boulangerie chez toi, tu sais. Putain, tu t'es fait mal aussi. Non. Bon, du coup, est-ce que tu prends une revanche avec ce que t'avais commencé à faire? Ah, on peut. Hein. On commence par quoi, les gars? C'est quoi le programme? Bah, on va finir ça là. On fait le tube? Fait le tube, on coupe, on va pouvoir installer les ailes. Ouais. Et puis après, on met le châssis en place et on présente. On représente le 1-7. Ouais. Tu nous l'as refait? Mary James, je représente 9-4 mafia qu'un fric. Allez, la couille, c'est parti! Regardez comme ça et toi. Ah, c'est que c'est sur Mime en fait que vous l'avez. Sur Reddit. On cherche aussi. Pour les connaisseurs. Je n'arrive pas à trouver. Qui c'est elle? Alors, il y a qui en a mis là? Moi, ce que j'aime bien, c'est voir les amis en commun. Des fois, t'es dit, ah le salaud! Tous les copains. D'accord. Ah! Ah, bah, elle est sur TikTok! Mais oui! TikTok. Ah ouais. Elle fait d'autres vidéos. D'accord. Ouais. Ok. Bon, on y voit un peu plus clair. Et toi sinon? Bah elle était plein de rouille. Crac. Allez hop, tout neuf. Regarde un peu le caca qu'il y a là-dedans. Tu veux te mettre dans l'œil celui-là aussi? Est-ce que tu veux te mettre dans l'œil? Il y en a rien de moi dans les taxis. Est-ce que tu veux te le mettre dans l'œil? T'as pas envie de te le mettre dans l'œil? Qui fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? De quoi 400 degrés? En fait, ça chauffe. Ah, tu décapes là? Ouais, je décape. Mais non! C'est quoi cet appareil? Mais c'est michetot ça! Et là, t'as un collègue qui te fait chier, tu lui mets dans le cou. Ah oui? Ça le réchauffe. Ah ouais, tu lui mets dans le cou. Bastien? Oui? Tu peux venir? Oui, j'ai besoin de te réchauffer le cou, Bastien. Ah, tu veux? Et tu sais que moi, j'avais un pote, tu sais ce qu'il a fait, le TOCFA. Il avait pris un burin, il était un peu persécuté, tu vois. Il avait fait rougir un burin, il avait des dentaires en truc là. Il a pris une pince et il y a un autre qui était en train de bosser sur une pièce, il l'a mis dans le cou comme ça. C'est sympa. Bon, il s'est fait virer. Mais, oui. Mais là, son truc, ça permet de le faire en toute discrétion là. Ouais, comme ça, il nous emmerde pas. Ouais. Ouais. Et il fait pas de bruit comme ça. Il va nous faire une petite démo. T'as envie de faire chier un mec dans la rue là? Tu tires une petite rallonge électrique, tu lui fais fondre sa caisse. La clé à choc, elle fonctionne plus. Elle tape que quand elle a envie. Après, tu m'étonnes que mes Volkis, ils vous envoient pas de matos. Vous êtes en train de. Ils ont qu'à nous en envoyer. Est-ce qu'ils nous ont envoyé? Vous êtes en train de les descendre et dire ouais, c'est de la merde de toute façon. Mais envoyez quand même, ça fait plaisir. Envoyez. Ouais, mais du coup, t'as essayé, tu dis que ça marche pas. Oui, ça marche. Oui. Un peu. Quand les piles sont chargées. Ouais. Comme le reste. Oh, le bébé! La bébé jante. J'ai trouvé un bébé! On l'a déjà fait. Un bébé jante. Ah, c'est mignon. Ah, la roue de secours. Conclusion, tu peux mettre une roue de mini Austin. C'est ça, de toute façon c'est une roue mini Austin ça. Ouais. Dans une jante de Barnet. Bien pourri, ouais, mais il y a pas de solution. Non mais les tubes en vrai c'est une grosse maladie ça. Rien dedans. Le Hastang dedans. Ouais, après en soit vu l'épaisseur du tube et vu que là non, c'est juste pour tenir les garde-boue. Ouais. Les garde-boue. Ouais, par contre faut que ça soit droit les couilles. 0-1. Tu t'es dans la tolérance. T'es dans la tolérance. T'es dans la tolérance. Allez, tu peux nous pardonner, on a mangé des pains au chocolat. Non, 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 c'est. Oui. Oui. Top. Bah, bouge plus, t'es dans la tolérance. On va démonter les roues. Les roues et réservoirs. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a SASP, il est pas là. Et moi, je sais pas démonter les roues tout seul. Ça sera un test, voir si c'est vraiment. Mais si je sais faire. Mais non, mais en fait, le réservoir, je l'ai démonté une fois quand j'ai repeint le châssis. Et non. J'ai remis du gasoil dedans. Il y a le plein, ça va. Non, il y a pas le plein, mais il y en a un petit peu quand même.
Parce qu'en fait, c'est ça dans la soudure, c'est quand tu soudes, ça tire. Donc là, pour le mettre vraiment d'aplomb, on fait tirer. Tu fais tirer. Là, ça bouge plus. Hein. Après, vu qu'il est juste pointé sur le haut, peut-être moyen d'y mettre une barre et de le ramener un peu. Même à la soudure, il va travailler. Là, c'est la papa. C'est la passion. Les pare-lock qui reprennent place, là, ça fait plaisir. Voilà, les couilles, c'est pas les garde-boue définitifs. Là, c'est sûr que je me sers justement pour faire les essais. Ils sont un peu marqués. C'est voilà. Moi, j'en avais d'autres, des neufs qui attendent vraiment d'être montés, mais je voulais déjà faire un montage à blanc avec des usés. Tu te manques déjà? Oui, mais tu me manques tous les jours. Hein. Oh, tous les jours, je pense à toi. Pas moi. Va pas rayer mon bateau. Et après, on remet l'attelage et je m'en vais. Bah ouais. Ouais, et tu vois pas comment que ça serait trop bien, mon gars? Oula! Parce que c'est de picoler un peu trop. Bah oui, il faut arrêter. Hein. Bon, présentation de la pièce. A chaque fois que je viens chez vous, en fait, je branle rien par tenir la caméra. Allez, super, bien joué l'expert. T'as chopé? Mais quand t'as un caillou qui se met dedans. Et sinon, bouge pas, j'appelle SASP. Bah, tu t'as un caillou qui se met dedans, tu crèves. J'ai Barico, tu sais ce qui lui est arrivé? Barico, il a des bouchons comme ça là. Sauf que moi, toi, je les prends en blanc, ils sont en plastique. Lui, ils sont chromés, mais c'est des boulons en alu. Il y en a un qui avait du mal à remettre une fois. Il est tombé dans le trou, il s'est foutu dans le jumelage entre les deux là. Et bah, pendant qu'il a roulé, tu sais, parce que la coïncidence que quand tu roules déjà, il s'en va, la coïncidence que quand tu roules, il s'en va, il tombe dans le trou et qu'il reste bloqué entre les deux. Avec la friction, ça a découpé le pneu, il a percé. Dédicace à toi, la barrique. Ah, bien, wesh. Oh. Il y en a encore. Allez, deuxième chance, round 2. Mets-le bien dans le trou quand même. Oui, oui. Hein? Comme comment il a dit, Christelle. Comme Christelle. Qui est flasque. Oh, je bouge parce que sinon, je peux pas aller y aller. Là-dedans, les petits points là. Un qui la tient, deux qui la tellent. Bon, c'est une blague de routier ça. Ah oh, bah oui. Bah voilà les couilles, une bonne chose de faite. Les garde-boue, c'est ok. Ah, escalope. Oh, t'es parti pour nous faire un petit mojito là. Là, regarde donc. Bon, c'est la queue. Voilà. Ça, c'est les bons clients. C'est la queue. C'est la queue. La queue micro-ondes, on se croit dans une entreprise. C'est ça. T'as pensé à pointer? Ah, bien, putain, faut pointer. Ah, bah, t'as pas pointé? Ton patron, tu crois qu'il va te payer les heures là? Le patron. Ah ouais, je vais vous mettre ces liens en description, faut le pourrir. Accompagné de Daisy Blue. Hein, on te mettra à côté. Tu viens de tamponner mon céleri moulade là? Ah ouais, putain, c'est. D'origine? Ouais. T'as décidé d'aller pêcher ce week-end? C'est le bonus summer? Putain, il y a un aimant. Il est triste. Ouais, là, t'as un bon vivant. Ah, voilà, des pâtes avec des boulettes. C'est pour aller draguer. Oui, mais il me fait pas manger. Ouais, mais toi, c'est petit. Mais tu vas manger, toi? C'est une botte de conserve. Tu vas manger des petits pois froids avec une clémentine? Tu veux de ma gueule? Oh, la tristesse. Il y a eu pour Noël, la clémentine. T'es en couple, ça se passe comment? Copine. Eh, j'ai oublié de prendre du pain. J'ai oublié de prendre du pain, mais je vois que t'en as. Ouais. Les chiens, ouais, sont dans le bureau. Dis, ça te gratte le bout un petit peu? Là, ouais. Je décolle tout. J'ai le collant dessous. Ah ouais. Bah, il faisait froid donc. C'est Quentin qui te fait de l'effet comme ça. Ah ouais. Bon, c'était quoi ce bruit? J'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai la peau du ventre bien tendue. J'ai la bite bien tendue. Voilà. Bon, du coup, c'est ça? Oui. Le c'est de l'art contemporain. J'attends mon associé. C'est le cadre pour mettre les photos. Oui. Ah bah là, on peut. Associé, oui. Oui. La barre. Ça pèse quoi? Vous l'avez pesé? Une tonne 2 à peu près. Ah bah non, le but c'est pas que ça. Oh le bordel qu'il met celui-là! Allez, présentation du kit. Alors attends, faut que tu passes la sellette. Ouais, faut passer la sellette d'abord, je pense. C'est bon. Ah, c'est pas vrai qu'il recommence celui-là bas là! Bon, là les couilles ça fait plaisir. Oh le plaisir! C'est cool là! Ça c'est bon? C'est la papa, c'est la passion là! Bon, du coup, maintenant que le cadre est fait, va falloir qu'on pense à un système d'accroche. Ouais, faut c'est déjà pensé les deux vis là-bas. Et on a une cornière qui passe en travers. Superbe! Et là ici derrière, faut qu'on se prenne, je sais pas, avec ça. Ouais, ça serait très bien. Ça serait très bien. On va se faire une petite patte là. Ouais, c'est du bon travail. C'est du bourreau travail. C'est du travail qualité. Ça c'est beau. C'est pas. On va rien dire. C'est pas du travail de derrière la Méditerranée. C'est ça que tu voulais dire? Allez, fais gaffe, ça peut partir en avant ça. Oui, bah c'est pour ça que. T'es tombé une fois? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça t'est arrivé plusieurs fois. Et attends, il y a quoi dessous? Faudrait pas que la boîte tombe pas. Non, t'inquiète. C'est quoi, c'est ça qui tient là? Ça doit être ça. Mais si on fait. Vas-y. On fait une vis après l'autre? Bah non, il va falloir que tu fasses des trous de toute façon. Donc, ah bah oui, pour l'enlever, je suis con. Bah oui. Putain, et tu sais, j'en connais des cons. Mais là! Là, s'il est contourné autour de Mars, je te garantis que t'aurais pas fini de tourner. T'es pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Non plus, non plus. Position, caca dans les bois pour Bastien. Alors, c'est la papa, c'est la passion. Ah, ça tombe. Ça. Attends, vas-y. Tu le tiens? T'as pas envie de me laisser bosser un petit peu? Vas-y, vas-y. Hop là. J'aurais au moins fait ça aujourd'hui. Mais il passe quelque chose quand même. Là, en plus, ce que tu tiens, c'est super important. Parce que quand il y a une côte et que je suis déjà à 90, j'appuie sur un bouton, c'est ma réserve d'air, je monte à 110.
Ça permet de grimper la côte. C'est l'overboost. Et ça, c'est une bise. Ça marche comment? Bah, en fait, t'envoies de l'air comprimé dans la pipe de mission. C'est une surale, en fait, si tu veux. D'accord, ok. Et du coup, et là, je passe à 3 barres de pression de turbo. Et du coup, ça me fait grimper plus vite la côte. 3 barres de pression de turbo? Ouais. Ah, bah, enculé. Tu mets pas ça dans la Renault 5. Je peux envoler. C'est bien, je peux leur faire tout croire. Ah, on dirait que t'as la ficelle dans la poulie. Qu'est-ce que t'as fait? Ah ouais, j'ai tout le temps rêvé de faire ça. Ah. Et sinon, Dr House, comment ça se passe avec le bip bip? Je vois que le... Écoutez, il est toujours vivant. Écoutez, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Oh, ça y est. Ah, il est foutu. Il est mort. Il est foutu. Fais quelque chose. C'est tout bien. Allez, Quentin. Voilà, ça y est. On le débranche. C'est fini, on le débranche. Son mignon chez Petite, là, nous aura ramené un petit calendrier. Bah ouais, bon alors, ouais, vous avez... Si, j'ai filmé ça, je sais plus. Alors moi, je suis le gars sympa, moi, je ramène les calendriers de même boutique. Puis là, il y a des femmes qui arrivent de nulle part, là, je dis, c'est quoi ce chantier? J'ai ramené le calendrier Playboy, carrément. Oui. Moi, j'ai pas des clientes comme ça. Hein. Ouais, la ZZ, t'as fait pas ça? Non. La ZZ, c'est les patates, quoi. Mais les patates, ouais, les pommes de terre. C'est dur, chez moi, c'est dur. Allez, c'est parti pour la petite échelle. Va pas te tromper de côté, couille. Bon alors là en fait on essaye de faire un truc Là ça rentre pas parce que... Non ça va pas y aller, c'est pas le bon côté. Là il y a problème. T'es sûr que c'est pas que vous avez inversé les côtés les gars? Non, c'est parce qu'on l'a fait sans les garder. On l'a fait sans les garder avec toutes les caméras là. Oui. Alors moi je coupe la caméra et toi tu coupes le bout en trop. Allez on... Allez vas-y vendu, on fait comme ça. Allez on part là-dessus. Allez 2 rabat ta queue 4 et 4 6 et 14 22. Tu la connais pas celle-là? Traîne tes couilles par terre, fais pas trop de poussière. Prends ta quéquette, à demain mon voisin, on s'en attend hier. Vous connaissez pas? Non? Oh elle est pas mal. Je vais pas la chanter en natif parce qu'on va être démonétisé, mais elle est pas mal. En dessous là, mais il est chaud. Ouais, pour une fois que je vais dans le sud. Et qu'en fait il fait beau parce qu'il pleut mais il fait pas froid. C'est remarquable quand même. C'est remarquable. Il y a pas de neige. Il y a pas de neige. Non, c'est pas mal. Le week-end dernier, j'étais dans le nord, là, vers chez toi, il faisait froid. Dans le nord, vers chez moi, t'as fini un peu, toi? Bah, ou manger des pains au chocolat, là, c'est, bah un autre, ouais. C'est un autre pays, ça, non? On est pas la France, hein. Couillon. Pourtant, t'as le patois un peu de chez moi, quand même, hein. Ah oui. Ouais. Bon, on est voisins frontaliers, quand même, faut dire. Oui. Les gars du 17, je les aime bien, quand même. Mais on mange pas la même chose au petit déjeuner, quand même. Ouais, bah, tu bouffes des petits pois froids, alors, tiens, à un moment donné... Au petit déjeuner. Oui, mais les carottes, lui, c'est que le midi. Oui, mange du céleri. Ben, du céleri, c'est bon. Oh, elle est dégueulasse. Oui. Ah, mais tu manges du framboise. Quentin, ouais. Céleri rémoulade, toi, t'es placé comment là-dessus? Oh, moi, j'en bats les deux. Allez, sauve-le, sauve-le, on t'embête plus, sauve-le. La Civic, je l'ai notée. Ah. Allez. Attends, je descends un peu. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et mets-moi là dans le trou. Les couilles, on est 2 jours plus tard. On est de retour chez Duke Machine. Et c'est chez pas... Duke Machine, les rendez-vous, ça se passe aux toilettes. Exactement. Et la place du chef, c'est le trône. Et laissez-moi passer. Merci. Ah, merci. Vas-y. Alors, parlons peu, parlons bien. Barney, on en est où? Châssis. Par contre, regardez-moi pas quand je fais caca, ça me gêne. Ah ouais, désolé, attends, je me retourne. Bon, là, on est sur un tuning déjà d'office, voilà. Quand tu manges avec ce genre de truc. Oui, ça laisse présager un peu la suite de l'épisode. Ah là, tu me fais plaisir. Là, tu me fais plaisir. J'ai mes petites clémentines. Ah ouais. Eh oui, toujours. Et le petit, hop. Oh, après, il vend que des chocolats. J'ai craché dedans. Ah. Lui, il vend que des chocolats, sinon tu manges pas. Tant pis. Ah oui. Ouais. Tant pis. Là, c'est la chocolatine. Les chocolatines n'ont rien. Tant pis. Vous voulez vraiment que je parte maintenant? Tant pis. Maison Miégée. Je m'en vais. Représente. Un 7. J'ai Mozac. Représente. Allez, attends. T'es mignon, je fais des vidéos pour YouTube, si tu me mets ça devant la caméra. YouTube, ils vont me dire non, non, c'est fini. Ils vont me dire c'est fini. Donc là, au loin, en fait, voilà, il y a un DVD qui te plairait bien, j'ai l'impression c'est la DRH et les stagiaires. T'es en reconversion, toi? C'est moi le DRH. Ah ouais. Là, c'est là. Comme t'y es bonne. C'est un film aussi de Fabien Lafont. Comme t'y es bonne. C'est qu'on est dans le thème, là, ce midi. C'est écrit en plus. Comme t'y es bonne. Comme t'y es bonne. T'es les dupes tordus aujourd'hui. Ah, oui, c'est tout censuré. Hein. Bon, tu l'imagines, là, derrière sa petite caméra. Quentin. Ah là là. Bah oui, Tarantino. Le DRH. Ouais. Bonjour, ma petite dame. Bon, Bastien. Un café, une claque sur les couilles. Tu manges dans les toilettes? Allez, allez, au bureau. Réunion. Tac, réunion. Allez, ça, c'est... Est-ce que Dylan, le compatriote confrère, il veut un café? Pas de café. Non, mais par contre, il y a un sanglier, ma couille, qui se promène dans l'atelier là. Ah, là il cherche à manger, je crois. Il cherche à manger. Ouais, parce que tout à l'heure, la dilution était pas bonne. Ouais, t'auras juste un petit quart.
Tu sais que j'ai fait fortune moi en faisant des stories de ça. De savoir faire le mouvement. Et là. Et là, il n'y a plus d'eau. Là, tu perces. Et là, on se fait. Ah, mais non. Voilà. Ça va être un bigou. Allez, on remet ça. Point de ma gueule. Chez les points. Regarde, ça, c'est les Lidl. Pour ceux qu'on n'aime pas. Là, tu viens de la prendre où la capsule? Là, ici, bah oui, regarde, elle est fermée. T'as un amour. Mais oui. Oh là, et... Oh, il est trop long. Mère aussi, c'était un long. C'est un longo. Un bon café. Allez, bon, les couilles, cesse de plaisanterie. Hein. Faut aller travailler. Ouais, on va faire le point sur ce qui a été fait quand j'étais pas là. C'est-à-dire... Des cafés. Pas grand-chose. Ouais. Dans la configuration calée, c'est pour couper de la tôle. Ouais. Et en fait... Mais tu peux pas faire les sortes de, comment dire, tiens, rebord là, tu sais que tu... Pour... Bah, si, tu peux tout faire avec ça. Ouais. En fait, là, l'outil, tu le retournes, il se retrouve face à face. Tu, en fait, tu le retournes comme la Catherine. Exactement, comme la petite catoche là-bas. On lui demandera tout à l'heure. Petit gabarit et tu fais des petites formes. Voilà, ouais, c'est ça que je vais te demander. Tu peux faire ça. Tu peux faire des sortes de moulourures. Voilà. D'accord. Des planchers. Ouais. Par que vous mettiez dessus, parce que moi je compte bien partir en vacances avec cet été. Ouais, mais on partira cet été. On partira. Promis. J'aurai craché. On partira, toi et moi. Toi et moi, je sais pas. Bon, les couilles, ce qui vous intéresse. Bon, ce qui m'intéresse aussi. Hein. Oh, t'inquiète, je tiens la caméra. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cet animal. Voilà, il s'appelle Quentin. Quentin des Montargis. Ouais, ouais. Bon, il s'est passé des trucs. T'es passé des trucs dans ta vie récemment? Ouais, j'ai des blagues sur de la civique. Ouais. C'est en cours. Ça va encore m'occuper 6 mois de ma vie. Voilà. Et puis du tuning. Ouais. Du tuning. La famille, les amis, tout ça, tout ça. Tout va bien. Voilà. Le fils, le petit, tout va bien. Tout le monde va bien. La passion. Et Katoche. On en parle? Ça c'est la passion. Ça. Apparemment c'est pour moi. Regarde donc ça. T'es sûr que c'est pour moi? Ah oui. C'est quoi? J'ai des petits crochets pour lever la petite trappe à essence. Oh! Et mignon! Parce que en vrai, je t'avais pas demandé et je comptais me le faire, mais là du coup c'est la grosse papa, c'est la grosse passion. Targette, là. Donc du coup ça fonctionnera comment? J'appuierai un coup et ça se lèvera ou on la tirera et. Normalement tu la tires et elle monte, elle reste bloquée et tu la redescends, elle se referme. Superbe. Elle reste bloquée. T'es un amour. T'es un amour. Bon les couilles, on est dans un froid polaire, mais c'est la passion. Là faut qu'on vous montre. C'est la grosse passion là quand même. C'est la grosse passion tu dis toi? C'est de toute bonté. Allez les couilles, je vous montre. Tadam! Oh le plaisir! Bon, ça a bien avancé pendant que j'étais parti là pendant 2 jours. Hein. Vous avez fait quoi de beau? Vous avez fait un peu de tôlerie. Bon, il reste des petites bricoles à faire, genre là, à refaire les angles, mais là c'est juste présenté là. Là c'est juste présenté là. Ah, c'est beau avec le petit grain de riz de la passion là. Ah le plaisir. Donc ça, on avait fait les plans ensemble. Ça, ça a été modifié. La dernière fois que je suis venu, en fait, t'avais fait un angle différent au départ. Et là, en fait, t'as fait un double. Double pli de... T'as fait un double pli, t'as fait un pli à... Deux plis à 45. Deux plis à 45, mais avec là, moins d'écart. Ouais, c'est vraiment joli. Bon, là, maintenant, la suite de l'épisode, des couilles. Ça, c'est pas terminé. Ah non. Alors, on va y avoir deux missions. On va y avoir deux missions. Déjà, faire la symétrie de l'autre côté. Et faire les lobards. Les lobards. Les lobards. Et vu que toi, t'as plus la gueule du loubar, tu vas faire les lobards. Et moi, vais côté. Ah, Bastien. Oui. T'as déjà eu le compas dans l'œil, toi? Je l'ai. T'as vu? Oh là là, le pilote d'aviation des années 40. Et... Bon, alors, vu que c'est une symétrie. Ce que j'aime piloter, c'est des avions de chasse. Ah, oui. C'est comment qu'il s'en va, lui? Alors, le plus chiant, c'était le premier. Maintenant, vu que c'est une symétrie, oui. T'as retracé. On a les deux. Oui, alors attends, avant ça, c'est que les tôles, vous avez plié aussi celle-ci. Oui, oui, on est allé les plier. Voilà. Découpé, plié. Découpé, plié. Bord tombé au marteau. Sur 2 mètres. Tu rigoles que je t'ai. Chez les compagnons, c'est ce qu'ils nous faisaient faire. Des longueurs complètes à ding ding ding. Ouais, alors attends, on n'a pas dit aussi. C'est de l'alu. On a pris quoi là? Du 2 mm. 2 mm. Ouais. 2 mm, donc c'est de l'alu qui est léger, mais du coup, pour le coup, oui. C'est quand même assez costaud. Il n'y aura pas de problème de rouille aussi. Et par contre, tout ce qui est les cadres, on les a fait en acier. Enfin, je dis on, mais moi, je les ai pas beaucoup fait. Il a rien branlé. Vous les avez fait. Il est venu, il a serré 3 vis. J'ai bu du café. Oui, et il nous a ramené les. Il a coupé. Et j'ai coupé. J'ai coupé les. Il nous a ramené des pains au chocolat, il veut nous empoisonner en plus. Voilà, c'est pas des bonnes personnes, ces gens-là. Je vais repartir. Dès que c'est fini, je repars. Promis. Oui. Je repars. Les EPI, c'est ah important. Ouais, là, on y va, c'est la passion. Bon, et puis Thomas Couillon, on fait les lobards parce que là, t'es sur Daisy Blue encore. C'est quoi le problème? Non, je suis un collègue à toi. Là. Ah, on est dans la copie de plan de. Un collègue. Ah, mon petit Benoît. T'es sur de la copie de. Non, mais moi, je sais ce que je veux. Oh. J'en veux 5 de chaque côté dans les lobards encastrés. Faut faire 5 trous comme ça? Merci, Polytruck. 10 en tout. Polytruck, il est parti. Polytruck, sa passion. Pierrot, je suis arrivé. Je lui ai dit, passe-moi des.
Les feux de football. Oh, un peu de pousseté dans l'œil. Ah, il était beau. Voilà. J'en avais un morceau. Voilà, ça c'est la papa, c'est la passion. Donc il y a plusieurs modèles, c'est, à chaque fois c'est des tailles standards. Donc si un jour j'ai envie de changer, je pourrais le changer. En fait, ce c'est que tu as la barre, lui il est dedans. Ouais. Et tu fais juste le trou du contour du phare pour que quand tu regardes la barre sur le côté, tu sais, il soit à fleur. Ouais. Oui, alors là on capté. Va avoir un problème, c'est que c'est la profondeur de la barre. Ouais, on va mettre des rondelles. Ça fait combien? 27. Et bah ta barre a fait combien? 40. T'as pris ta voix de pervers un peu. Oui, oui, mais j'aime bien. Bon, ils viennent de soulever un point important. De toute façon, dans tous les cas, ça va être chiant à faire. Ça, c'est de la LED. C'est pour lui, là. Alors, ça, c'est de la LED. C'est le parking de la LED. Mais moi, en fait. Là, tu connais pas. Bon, alors, bon. Les coups, je vous explique. Là, en fait, c'est qu'on est en train d'essayer de faire des lobars, en fait, pour pouvoir en mettre aussi sur mes autres camions. Et du coup, vous savez, Barney, c'est un projet full ampoule. Ça, c'est voilà. De la LED. En fait, je leur avais déjà emmené des doubles ampoules à ampoule pour faire des lobars. Mais après, je m'étais dit, vas-y, je vais pas faire le relou parce que la découpe, elle est vachement chiante, mais c'est la grosse passion. Mais ah vu oui, que passion. Vous aviez prévu des tubes. Bah oui, et la bonne épaisseur. Peut-être mettre les doubles ampoules quand même. Tu vois, on met ça là comme ça, dans le fond du tube. Ouais. Ça, c'est à fleur. Ouais. Là, c'est nickel. Et là, on a de l'ampoule. Vendu. On n'a pas du LED. Parce que l'autre, c'est moche. Je fais ça. C'est vendu. Non, c'est pas que c'est moche, mais c'est que ça du coup sur Jim. C'est pour les gens qui. Oui, c'est vachement mieux. Ah, sur Jim, ça sera mieux. Ouais. Mais pas sur Barnet. Sur Barnet, l'ampoule, je préfère. Allez, vendu. Ça fait plus viril. Ça fait bonhomme. Non, on se fait baiser. Oui, oui, bah oui, en fait, tu te fais baiser. Mais moi, vu que tu. Oui. Mais non, mais là, regarde lui, là. Il a les fixations à l'extérieur. Ouais. Et du coup, l'ouverture, on l'a. Non, bah non, faut la faire plus grande pour pouvoir justement mettre les petits boulons. Bah ouais, sinon, on est baisé. Sinon, la solution, c'était de faire un U, la pièce dans le fond, et refaire un U qui emboîte par-dessus. Mais non, là, faut juste que je puisse... Faut qu'en fait, la cote, quand on va faire le trou dans la tôle, on prenne ça et qu'on trace sur la tôle, tac, 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 le tour de ça. Et ben ça me va, tout. Vendu alors. Allez, vendu, on serre la main. Non, tu serres la main à lui parce que c'est lui qui va le faire. Ouais, moi je vais faire ça. Bon, vendu. Allez, viens, fiston. Allez, on y va. C'est parti. Changement de projet, c'est la passion. Ça va bien se passer. À 16h, je vous le dis tout de suite parce que je viens de voir qu'il l'a rangé. À 16h, on se fait un café et qu'il reste 3 bouts, je crois. Voilà, très bien. Très bien, on est Quentin, il en aura pas. Manger déjà. Oui, mais c'est il est tombé dedans quand il était tout petit. Ah oui. Bon alors, en amont, hein, t'avais préparé, t'avais acheté du tube. Enfin, t'avais oui, piqué du tube chez le ferrailleur. Bah, en face. Voilà. Ouais, en face. C'est la passion. Est-ce que tu veux que j'aille te mesurer? Non, t'as la cote en tête. Ça fait combien de long, Dylan? Quoi? Il me faut la cote exacte, précise, de là à de là. Bah, allez. Mesuration. Voilà, attends, quand même. Attends, allons. Je veux bien, mais non, là c'est trop. Là, ça s'appelle un handicap après. C'est un handicap. Tu m'étonnes qui roule en camion. Eh oui. Les mecs qui roulent avec des polos, de toute façon, ils ont quelque chose à compenser. Non ouais, c'est ça. 2200. Tire un peu, parce que là, toi, t'es un peu. Non. Je bande mou, là. Oui, là, t'es mieux. 2225 toujours. Allez. Vendu, ça part en prod. Attends, ma couille, attends. Hop là. Ça va bien se passer. On a eu de billets, là. Un bout de barnet qui est en train de naître. Tu me dis quand. Je sers. On est bon, allez, vendu. Bon, Bastien, heureux. Faut faire 10 trous. Non, 5 par barre. 5 par barre. Bah, faut faire des mathématiques d'abord. Oui, déjà, oui. Parce que... Je compté, mais... Non, faut qu'il y ait un écart d'espacement. À respecter. Parfait. Donc, tu vois. 2220 divisé par 5. Non. Quoi? Ah non. Quoi? Ça fait pas 5. T'as plusieurs. Il y a 5 trous. Mais si tu divises par 5. Oui, non, mais pour avoir l'axe de ça. Pour avoir l'axe. On revient dans une heure. On vous dit ça. On aura compris. Non, mais si, c'est ça. Si tu divises en 5, ouais, mais le problème, faut se dire. Faut laisser. Le début. Ouais. Faut que le début soit cohérent des deux côtés, faut que ce soit le même. Donc à mon avis, il faut enlever les débuts. Oui, on enlève le début. Voir la dimension qui reste, divisé par 5. Les champions des mathématiques, là, vous avez cru que vous allez me baiser. Faut nous aider. Aidez-nous. Là, on est perdu. Sauf que normalement, quand on leur dit, laissez un commentaire pour nous dire, la vidéo sera faite. Donc normalement, j'espère bien que ça va se terminer. Ça vient se passer. Non, ouais. Bon, du coup, hein, les champions de la mathématique. Bah, ils ont été bons. C'est par 4. Et moi, non, c'est que moi, je voulais t'en mettre 6. Ah, ça y a des marques. Oh, allez, c'est bon. C'est bon. Bon, allez, on recalcule. Donc ça fait divisé par 4, 502. 502. T'as réglé qui fait 500. Ouais. Donc aussi, hein. T'as compris. Ouais. Le mec, faut pas l'embaucher. Pourquoi? Il t'est fait virer, du coup. Bah, ils ont plus besoin de moi, ces enculés. Ton patron, tu crois qu'il va te payer les heures, là? Le patron.
Ah ouais. Et toi, chômage complet. Eh ben, je t'embauche. Eh ben voilà. Eh, hey, ta voiture, elle se prend jamais roule. Hein? Par contre, le petit nimbo là-bas, là, ouais. Il t'a céréal bifé ta caisse. Non, je te jure. Il a céréal bifé ta caisse. Il a fait des tonnes partout. Il a céréal bifé ta caisse. Ah ouais, on peut voir. Oh, il y a une belle petite caquette là. Oh, il y a une belle petite caquette. T'inquiète pas. J'ai ramené ça sur ta voiture. Non, mais je te le dis, toi. Ouais, c'est gentil, toi, t'es un bon gars. Voilà. Oh, les petits losanges de la passion. Donc, c'est quoi le projet là? Tu coupes avec quoi? Là? Parce que moi, je veux vraiment que je te réponde. Moi, je vais aller me baiser un café, mais j'aimerais bien, pendant que je suis assis et que je suis comme ça là, tel Georges Clooney, j'aimerais bien devoir travailler, mais du coup, j'aimerais m'attendre à savoir quel outil tu vas prendre. Un petit café. Bah, déjà, une perceuse dans les angles. Ouais, on est d'accord, j'aurais fait pareil. Et t'as pas le truc des coupes plasma de la passion? T'as pas ça, toi? On est pauvres. Faites un don. Faites un don. UNICEF, faites un don. Faites un don. Disqueuse. Bah moi, en vrai, chez moi, à bricoler, ce que j'aurais fait aussi. J'aurais percé et après disqueuse. Et après finir à la lime et puis, puis c'est la passion. Bon, nous, en attendant, on va se monter ça. Bah, on peut aller présenter ça, oui. Ouais, allez. Si tout se monte bien. Allez. Un petit café, monsieur. Ouais, s'il vous plaît. Demi-sucre. À demi-homme, donc... Les routiers. Allez, tu sais quoi, pas de sucre. Les routiers, ils ont toujours quelque chose. Pas de sucre, mais je prendrai un bout de galette. Pas de sucre, mais je prendrai un bout de galette. Attention. Ah, et tu veux pas qu'on mette du scotch sur mon aile noire pour plaire? Oui, 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 là, on va faire ça. Alors, le marouflage. Ça vient se passer. Voilà, parce qu'il y a des mecs. Après, ça approche un peu trop près. Avec les tôles. On va limiter les risques. Allez, oui, c'était lui. C'était bien lui. Voilà, non mais... T'aimes ça le scotch de carrossier quand même. Couvert, quoi. Faut se protéger. Tac. Allez. Voilà. Écoute, moi ça fuit pas trop mal. On l'a trouvé. Ah. Tu sais, quand tu dis à l'apprenti qu'il ira me chercher la boîte à étincelles. On l'a trouvé. Pourquoi toi ça fait pas des étincelles comme ton copain? Hein? Non, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui vont se poser la question. C'est de la tôle en bois. C'est de la tôle en bois, voilà. Non, l'aluminium ça fait pas de... Non mais il manque un truc. Fais pas ça, tu vas dire. Oui, parce que sinon... Ah, oh, ça sent le caoutchouc, et... il t'a rempli la boîte à étincelles, par contre. Oui, d'accord. Ouais, d'accord. Tu l'ouvres pas. Non, parce que sinon, s'éteigne. Sinon, faut pas... Ah, voilà, c'est mort. C'est mort. Ils viennent de réaliser ce qu'il me dit. Oui, il y en a quand même 10 à faire. Tu viens de réaliser que ça, c'est pas un cadeau. Non. Que ça aurait été plus sympa avec l'autre. Hein, oui, exactement. Voilà. Mais bon, c'est la papa. C'est la science. C'est la passion. Bon, et puis toi, ma couille, t'en es où là? Oh! Parce que moi, je suis un bon maître d'œuvre. Mais j'ai des ouvriers là, regarde-le. Je m'en licencié là, il se promène. Tu m'étonnes qu'il a été licencié. Je vais pas faire de message pour la SNRI. Tu peux. Et tu cherches quoi? C'est quoi tes talents dans la vie? Artiste, viens voir. T'es un artiste? Range ton zizi. Je te suis. T'es un artiste. Ah, waouh, putain, elle est trop belle. Voilà. J'ouvre les C10 sur base de pénis. Ah ouais, voilà. Et là c'est travaillé. Ah là c'est travaillé. Si t'as besoin d'un mec qui fait des... Des tubs. Il est là. Bah je... Ah, là les gars, il vous a gratifié d'une quéquette. C'est une belle quéquette, hein. Bientôt il arrive. Encore. Et encore. D'accord, un chou, encore. Là. Reste 10. Bonjour chef. Oui. Le petit joint. Là il en reste que 9. Ouais, c'est vrai. Ça va. Là, ça va être la passion. Alors, ça donne l'impression que le trou est plus gros, mais en fait, non, ça fait plus de la taille. Hein. T'as super bien bossé. Et quand on regarde, là, admettons, je voudrais le mettre comme ça. Passe tout juste. Mais là, ça fait non. C'est pas très esthétique. Faut vraiment que ça soit le dessus du cabochon. Ouais, il est à fleur, en fait. Ça donnait pas l'impression, mais en fait, il est vraiment à fleur. Il dépasse même un chouille. Mais là, comme ça, c'est parfait. T'as bien bossé. On a bien travaillé. Bravo, félicitations. Vendu. Allez. On débauche. Bah non, on continue. Ah oui, on continue, d'accord. Ah, on va essayer de terminer cette barre pour aujourd'hui. Ça serait la passion. Ouais, ça serait bien de la mettre en place. Ouais. Si on pouvait vraiment la mettre en place ce soir-là. Ça serait bien. On raccorde les lumières et tout. Non. Faut que t'ailles chercher les... Non, mais c'est sûr. Autres. Non, ouais, non. Prochain coup, de toute façon, je reviens. Ah non, le deuxième. Ah oui. Ouais. Ah oui. Je préfère, ouais. Eh ben non. Tu vas retourner sur le deuxième. Ouais. Ouais, mais alors je vais te dire, je claque une ampoule sur le bord de la route là.
Comment on fait? Eh ben ça passe. Il va y avoir l'épaisseur de l'après, de la peinture. Lui, il est peintre, il met trois couches de l'après, ouais. Il les reponce. Bah ouais. Deux couches de peinture, bah. il les reponce. Ouais, et le vernis, après je le reponce. Et après, il fait un projet d'illustré. Bah ouais, non mais attends, mais tu rigoles, mais Barney, il va être polyillustré, mon gars. Ça, ça va être polyillustré. Là, il n'y a plus la tolérance nécessaire. Si, en vrai, je blague. En le foutant de billets comme ça, j'arriverai à le mettre. Ah, quoique là. Ouais, mais si on fasse les petites finitions. Ouais, les petites finitions, c'est important. Ouais, la finition. J'ai un pote, il est plaquiste. Et il fait des petites finitions. Non, non, il me dit, je te mettrai un acry. Ah oui. Ouais, la crie, ça fait 4 ans que je l'attends, le bâton. La prochaine fois que je viens, il faudra que tu me prêtes des hippies. Ah bon? Moi, je m'emmerde. Ah, je suis content de passer du temps avec vous. Puis, Instagram. Voilà. Vous connaissez Instagram? Ouais. Ouais, voilà. Ouais, mais non, c'est pas du boulot. Moi, j'ai envie de jouer de la machine automatique. Ouais, on va vous montrer ce qu'on fait après. Bon, je vous ai dit qu'on allait vous montrer ce qu'on était en train de faire. Il y avait eu Ouais, vas-y, montre-nous que tu manges ton petit pain au chocolat. Qu'est-ce que t'as caché, là? Bon, il y avait la tubulure d'échappement qui passait dans le cadre. Donc là, on a fait une petite bifurcation. Et là, on n'a plus qu'à présenter pour de bon. C'est fini, là. Bah là, on peut tout poser, oui. Ouais. Bah, il y aura la petite découpe à faire pour l'échappement. Ouais, mais on va refaire. Quand on l'aura allongé. Il y a Alexis, toi, il me l'avait pas fait à ras. Parce que justement, il m'avait dit, tu feras une rallonge. Quand tu auras ton carénage pour bien. Pour finir. Ça fit quoi, toi que ça fit. Pour finir. Donc on fera ça ensemble. La petite canule. Et la petite canule. Mais là on va se présenter le côté, le dessus ça va être la passion. Ah, il y a un problème. On a un problème. Problème avec des solutions. Non, là on a un problème. Alors qu'il arrête tout de suite la lobar. Regarde où est l'échappement. Bah oui, mais quand tu regardes. Ouais, mais sur la deuxième lobar, on fera. Ouais. Parce que quand tu vois les comment elles sont faites, la tôle est découpée, ouais, et la lobar aussi. Sauf que du coup. La lumière est pas au bon endroit. On a pris 4 cm du bord. on a une lumière dans l'échappement, c'est pas mal. Et c'est un diamètre 114. Ouais, je pense que l'ampoule elle rentre au milieu. Ouais. Tu crois qu'on peut mettre le double ampoule au milieu de l'échappement? Je pense qu'on peut le mettre au milieu. L'éclairage. Ah, tiens, lève-la. On lui dit pas. On lui dit pas. Allez, on lui dit rien. Tu viens pour la présentation? Vas-y. Il n'y a pas de finition. Ouais. Il y a tous les trucs. Ouais, tu peux. Superbe. Mettre devant. Superbe. Bah tu vas où? Non mais viens. Non mais non viens par là. Vraiment. Ça c'est mon côté ici. Non s'il te plaît. Non. Viens. Viens là. Parce que tu vas vite comprendre. Il a compris déjà. Non mais j'ai compris hein. Si il se barre c'est qu'il a compris. T'as compris le truc. Non mais j'ai totalement compris. Ouais, là c'est superbe. Ouais. Là c'est bien parce qu'en plus c'est un peu en cohérence avec le devant. Mais c'est les bonnets qui font ça. Ah, putain les mecs, j'avais pas vu, ils font passer leur publicité. Bientôt dispo sur le site Duke Machine. Non par contre là c'est très très joli. Mais pourquoi il y a un mais? Et, non sinon j'ai la solution. Vous êtes souverains les gars. Attends, mais avant avoir solution. Mais le problème c'est l'échappement de l'autre côté. Ah, oui, faut que ce soit symétrique. Mais les gars, vous êtes soudeurs. Non. Si, vous faites des tuyaux d'échappement. Non. Hein, on va décaler la cagouille, hein, c'est ça la solution? Non, parce qu'en vrai, là, regarde, en plus, on a là la place. Là. Vas-y, remets la lobar. Bah oui. La lobar. Ça serait quand même con de pas bénéficier de cette place qu'on a là oui. Pour faire un truc joli et faire passer le tuyau. Le tuyau dedans. Le tuyau dedans. Du coup, le châssis qu'on vient de découper. Ah bah les couilles, on vous emmène, c'est du direct. Il va sécher. Non mais en vrai. Oh, et on peut, regarde. C'est du sur mesure, on a. Regarde, on fait le coude là. Je te ramène un autre coude qui remonte comme ça en haut. Ça redécale la sortie. Oh putain, et en plus, regarde, ça serait magnifique. Sous le garde-boue là. Vendu. Allez, on fait ça? Ouais. On t'attend. La lobar est pas morte. Non mais par contre, parce que Alexis il a fait du super boulot, faut dire, il a bien bossé. Par contre vous pour le coude vous pourrez peut-être me faire un truc en fragmenté. Ça m'évite de racheter un coude. Ah bon, tu veux faire une petite torsion de coude en 114? Ça claquera un peu plus sur un coude en plus. Oh les couilles, nous voilà dans la suite de ce petit épisode. Aujourd'hui je suis escorté, j'ai pris les gros bras. Hein, voilà. Le capitaine est de la partie, ça va chier. On ouvre la partie sur la route direction le Chude. Hein, le Chude. Et pour une fois, il pleut pas. Hein, et il pleut tellement dans cette région de France qu'hier, les coins-coins, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, ah, ma couille, il va flotter. Il va falloir sortir le grand Tivoli parce que vu que tout le camion ne rentre pas dans l'atelier, là, ils sont habitués à la pluie, les gars. Hein. Ouais. On est tout le temps dans le Sud, il fait beau. Moi, j'ai pas de Tivoli hein, quand je bricole dehors. Hein, parce qu'il fait beau chez nous, capitaine. Hein. C'est le
et font. Non, c'est coin-coin qu'ils font. Coin-coin. Ouais, ils font ça aussi. Voilà. Il y a un gros buggy. Ça te la passion. On irait pas se baiser un café. Ah oui, parce que la route a été longue. Est-ce que le café est chaud ici? Attends. J'entends qu'il bouillonne. Attends. Là, on nous prépare quelque chose. Là, à mon avis, les gars, ils sont cachés dans les chiottes. Les canards, ça fait souvent caca. Putain, mais... Ah, pardon. J'ai vu trop... Salut. J'ai cru que c'était pas ça, que t'es en train de faire des conneries. Et ça va que t'étais pas sur le trône, j'y merde. Non, je suis en train de laver les chiottes. Et j'ai pas eu lave le bon truc où j'étais comme ça. Ah non, je me suis dit, ils sont planqués, ils se cachent quelque part. Bah, ils sont en face, je crois. Bon, eh ben, on va aller les voir. Bon, après cette petite mésaventure et surprise. Ah ouais, alors avec ce qu'il y a dedans, Captain, à mon avis, ça doit pousser un peu. T'as pas vu ce qu'il y a dedans derrière? Oui, parce que toi, t'es dedans. Mais avant de regarder à s'installer, faut regarder ce qui pousse au cul. Ah putain. Bon, qu'est-ce qui te plaisait dedans? Regarde l'arbre. Ah ouais, c'est qu'il y a un trou au milieu. L'arbre, mon pote, il pète là. Non, non, il est en dessous. Hein. L'arbre, il pète là, mon gars, tu te le prends. Bah, comme toute voiture, hein. C'est que là, il n'y a pas le tunnel. Ouais, il n'y a pas le tunnel, voilà. T'es dans un arbre qui pète dans une voiture, t'es scalpé, mon gars. Parce que ouais, en sortie de boîte, c'est pas au tour minute que ça dit au compteur, hein. C'est multiplié, ouais. Hein. Ça tourne encore ouais, plus mais vite. Il est dessous. Hein. Quand il pète, il devient pas dans les bras, quoi. Bah, tunnel de boîte, l'arbre de transmission, il est tout en placé là, le capitaine. Mais non, il est bien dessous la voiture. Ben non, le tunnel de boîte. Oui. Moi, dans mais la, quand dans... il pète, il devient pas dans l'habitacle. T'en as plein quand pète au drift. Ben écoute, il s'est tout le temps placé plus ou moins au même endroit. Il se tord et tout, mais ça revient pas dans la bagnole. Bah des il fois, moi j'ai déjà vu en dragster, les mecs ils se prennent le disque ah d'embrayage, oui, bah, ils se prennent tout dans la figure. Ouais, on irait bien faire un tour, c'est ça que ah t'as bah, dit. Ouais ouais, j'irais bien là. Ça doit être super violent, parce que ça doit pas être bien lourd. Tu t'imagines? Ouais, ah, mais t'imagines toi. Bah ouais, ouais, moi je m'imagine. Tu vois, là ah, je m'imagine très bien. Ouais, je m'imagine très très bien. Ah ouais. Bon, là on est sur quelque chose de différent aujourd'hui quand même. Cette sacrée machine quand même. Bon, ils m'ont pas dit, c'est pour aller au Mans en camion. Ça c'est pour faire la course. C'est pour faire la course. Ouais. Voilà. Bon, alors, ils sont pas là. Mais on va quand même regarder ensemble ce qu'ils ont fait. Ah ouais. Ça habille. Ah ouais. Vraiment ça habille. Ouais. Là je vais mettre une bavette après. Crac. Ça moi j'adore. Ça te plaît, Captain? Ouais. Moi aussi ça me plaît beaucoup. Aide-moi ça, Captain. Ah mais l'action heureux. Les coins-coins qui... Ça va direction la mare, là. Ils reviennent de la mare. Ça revient de la mare. Ils ont bien pataugé. Ça a pataugé, tranquille. On fait de la marche. Vous rentrez de la mare, tranquillement. On fait de la mare. C'est l'heure de faire caca. On c'est la danse de la des canards. Et en sortant de la mare, se secoue le bas des rats et font coin-coin. Alors, du coup, on entendait du bruit dans les toilettes, en arrivant. Ouais, t'as eu on a rigolé. On a avancé discrètement, j'ai mis ma caméra. Ah, loupé. C'est pas les bons. Bon, c'est la grande promenade ce matin? Ouais, exactement, c'est une échelle de pompiers. Ouais, et ouais. Qu'à moi ça, hein? Ouais, c'est à bon. Moi ça. Bon, on se voit un café? Ouais. T'as vu, je vous ai ramené le beau temps, les gars. Ouais. Ouais. Et on voit un peu de soleil. Ouais, mais quand je suis là, il y a le soleil. Bonjour le frère Boumina. Bon alors du coup vu qu'il y en a tout le temps trois fois de trop, j'ai rien ramené ce matin. Mais bon du coup, il y en a un peu moins. Ça n'existe pas, Captain. Ça n'existe pas. Et ça, c'est vraiment un collecteur d'échappement. Ça me fait penser, tu sais, aux flûtes. Comment ça s'appelle? Les péruviens, tu sais, au bord de la plage. Tiens, Captain, mets ça en bouche. Tu sais, on dirait une flûte péruvienne. Tu connais pas les péruviens sur le bord de la plage, là, sur les marchés au bord de la mer? Moi, j'appelle ça la flûte péruvienne. Traversière. Ouais, ouais. Traversière. Quand t'allais en travers, c'est traversière. Ouais. Moi, c'est la flûte péruvienne. Péruvienne, toi? Ouais, c'est péruvienne. Péruvienne, mais là, je connais pas. Eh bah... Tu sais, comme pays, toi, t'es pas en chocolat. Tu verras dans la vidéo, on va te mettre un morceau de flûte péruvienne, tu vas voir, c'est la passion. Bon, alors, du coup, c'est la passion, là. Bah oui. Ah, il est beau, hein. Ouais. Donc là, tu es en train de me souder les côtés, là? Je soude tous les côtés. De l'autre côté, c'est soudé, poncé. Finition hors pair. Bravo. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, Captain. Ah, Captain, il ferait bien. Ah, bah, t'as vu l'arceau, toi? Oui. On a le droit encore à ça, toi? Ah, et chez nous, la réglementation est spécifique. Hein? Manchonné? Non. Ouais, mais lui, c'est pas pour faire de drift. C'est une ouais, voilà. Civique. Je sais pas si t'as remarqué. Et normalement, si tu regardes bien dans cette voiture, il y a plein de petites guéquettes partout. Des guéquettes? Ouais, je les neutsais. Mais tu vois, genre, je les neutsais à des endroits. Ça se voit pas? Non, un peu chiant, tu vois, genre là. Genre là, j'ai une petite guéquette. Genre que dans les contre-doublures.
Mais genre là, ce poustangue-là, tu vois plus. Ah oui. Mais toi, genre là, il y a des bites partout. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Il y en a une là, il y en a une là aussi. Est-ce qu'il est réellement parti nous faire du café ou est-ce qu'il est parti faire quelque chose avec sa femme dans les toilettes? T'es un tambour de deux, toi. Merci. Oh, bravo. Et t'as vu un peu la technicité? Captain, le café est chaud. Merci. Santé. Merci, coin coin. Santé. Et là, aujourd'hui, c'est la DDE, les gars. Un qui bosse. Ouais. Trois qui regardent. On a le rallye du démarrer. Tu vois, on a Clément, là, celui qui nous fait les reprogs et tout. Là. Ouais. Ah, vous l'avez fait sabler depuis la dernière fois, le châssis, là? Ouais. Bah, enfin, quand tu fais du démarrer, ça coûte une blinde. Entre tous les trains de pneus, les jeux et tout ça. Captain, un café et un pain au chocolat à la main en train de discuter parce qu'il aimerait bien acheter un truc comme ça pour en faire. Donc, ah ouais. C'est une belle bête quand même. Donc, du coup, j'ai eu explication, ouais, parce que du coup, on n'avait pas capté quand on était en train de débriefer de la boîte, le moteur, il est derrière. Donc, ça, c'est l'arbre de transmission, en fait, qui va. Ça y est pas normalement sur les autres voitures. Vu qu'il n'y a pas là de cloche avec du volant moteur, enfin, en fait, là, on le voit pas, la boîte, elle est carrément à l'autre bout, elle est pas collée au moteur. Donc, ça, c'est le régime moteur qui transfère à la boîte. Et après, la boîte, elle démultiplie et elle envoie à l'arrière et elle renvoie aussi à l'avant. Parce que du coup, on n'avait pas capté, c'est un 4 roues motrices. C'est ouf. Bon, qu'est-ce que t'es en train de faire comme connerie encore? Hein? Je suis en train de te monter là. Tu montes? Allez, en avant, on grimpe sur mon dos, allez. C'est parti. Donc là, du coup, depuis la dernière fois, t'as fait des supports pour revenir dans les supports du réservoir, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Donc on a fait tout ça. Super. Ah, mais la potence, on n'a pas débriefé aussi là? Tu l'as pas vu la potence? Bah non! Putain, alors moi je l'avais vu qu'en 3D. Ouais. Ah, elle est superbe. Ah, c'est beau. Donc là, en acier, la potence, elle est... Oui, d'accord. Potence en acier, oui. Donc là, t'as fait les petits trous. Pour les petits feux. Alors ouais, moi du coup, là c'est vrai, la technicité, elle est complètement différente. Moi je m'étais fait chier à la disqueuse et tout, oui. Machin. Alors du coup, la finition, c'est pas, j'avais réussi à pas mettre de coups de disqueuse, tu vois. Ouais. Mais vous, quand c'est fait au laser... C'est bah ouais, carrément. Quand même tout le milieu qui était coupé. Ouais. Alors, elle est plus petite que celle de Bobby, mais c'est normal, c'est moi qui leur ai demandé parce que là, on n'a pas de cheminée à tenir donc c'est cool. Ouais. Ah, elle est belle. Ah, vraiment, elle est belle. Elle te plaît? Elle me plaît. Elle te plaît. Alors... Elle me plaît. Bon, après, du coup, je viendrai remettre un coup de meulage, coup de mastic, tout ça. Et... Bon, alors, par contre, du coup, ouais, je disais l'autre jour, ça m'a retravaillé en pleine nuit. Dans le carénage, faut faire un petit trou pour ça, pour que je puisse mettre ma barre. Ah, bah oui. Pour. Faire un trou. Ouais. Bon, après, au pire des cas, moi ça je peux le faire chez moi aussi. Mais toi j'y avais pensé et je vous l'avais pas dit, et ça c'est de ma faute. Voilà, c'est de ma faute. Et tu m'as pas montré tes lobards l'autre fois parce qu'on était partis. Là ils sont tous finis. Hein. T'as fait des petits trous. Ouais, et tout. Bah, toi j'ai fini ce matin. Allez, montre-moi montre-moi couille, montre-moi. C'est le lobard de la passion. Donc là, les trous sont finis, t'as rebouché au bout. Oui. T'as fait les supports. Oh, superbe. Alors là, pour le coup, tu t'es fait chier, c'est pas découpe laser, oui, tu l'as découpé oui, là, bah, comme moi j'ai dit. Tu sais, j'ai trié. Ouais, alors vous, les couilles, je vous mets dans la partie interne du truc. J'ai commencé à trier les rushs pour monter cette vidéo. Et j'ai apprécié le moment où tu dis ah ouais, mais non, on peut les faire. Ah ouais, c'est bon, on peut les faire. Tu savais pas encore comment les faire chier. Nickel. Et ça s'est vu sur ton regard, et du coup, moi j'ai apprécié vraiment. Ouais, quand on a fait le premier, là après, ouais, je me suis. Tu dis dans quoi je me suis lancé. Ah, c'est beau, c'est superbe. Je les ai montés l'autre jour. Ouais. Bon, on va les remonter tout à l'heure. Le lobard il passait plus. Pourquoi ça? Eh ben parce que les supports en fait. Ah ouais, faut qu'on débride un truc, j'ai vu ça tout à l'heure. Vous faites un camion pour rouler au Mans là. Oui, exactement. Ouais, j'ai vu ça en arrivant tout à l'heure. On a soulevé toute la caisse et tout. Ouais. Impeccable. Ça venait taper ici là. Le lobard qui vient derrière. D'accord. Du coup, c'est pour ça, je vais les replier et on va des fois les trous au blond. D'accord. Parce que ouais, du coup, là il y a l'inclinaison, on va le remettre bien. On a encore ça à couper. Ouais, la trappe pour le carburant. Elle est commencée de tracer, ouais. On va faire ensemble. Ouais. On a plein de trucs à voir ensemble. Il faudrait qu'on fasse un fit aussi. Un petit fit? Que je récupère. Genre un petit fit? Non. Faut que vous me donnez. Faut que je perce sur Insta grâce à ça. Ouais, bah tu peux. On va renégocier ça. Hein. Ouais. Tout peut se faire. Hein. Ils ont fait une percée, les gars, là. Ils ont fait un réel. Une percée phénoménale. Voilà. Ouais. Du coup, tu vois, même moi maintenant, c'est un honneur de venir faire une vidéo chez eux. Parce que c'est vous qui, j'espère, récupérer des abonnés. On va essayer de t'en donner quelques-uns, ouais. Je pense que c'est les meilleurs, mais... Beaucoup d'Ouzbékistan, quand même. Ouais. Bon, alors là, c'est le capitaine, il est en train de faire un devis, je crois, avec Dylan, là, ça y est. Hein. Non, ça y est, là, vous êtes sur les plans, t'as commandé? Bon. T'as commandé un châssis? C'est en commande. Très bien. Tu mets quoi comme moteur dedans? Je vais voir le slot 4L que j'ai, là. Non, mais ils savent. Ah bah la 4L, on en parlait, justement. Bravo. 4L,
Ouais. Percée fulgurante sur les réseaux. Ah, ah, bravo, ah, bravo. Ah, ouais. 9 millions de vues, 1500 abonnés tous les jours en plus. C'est la grosse passion. C'est à peu près ça, ouais. Bon, du coup, moi j'aime beaucoup ton pare-choc. Il est beau. Bah, pour l'instant, c'est le mien, c'est bientôt le tien. Bah, ce soir, c'est le mien. Sur les châssis comme ça. Ouais, dis-moi, je peux. Le deux barres, hein. Ouais. Comme nous, c'est obligatoire la J. L'annexe J, ouais. Eux, c'est pas obligatoire la J. Ah ouais? Imagine, elle était pas là. Ah bah, t'es pas bien. T'es pas bien, là. C'est pas obligatoire, hein. Non. Tu me racontais, là. Putain, et pourtant, ce genre de discipline, c'est quand même vachement plus violent que ce qu'on fait nous, quand même. Justement, il me racontait, là, que. Comme celui-là, c'est un châssis d'année avant, si tu les dates, ouais. Là. Il faut les réparer. Ah ouais, sinon si après. Il a été fait après, homologué, machin et tout, il a dû ramener chez le constructeur. Ah ouais. Et là, ils lui ont dit, ça c'est pas obligatoire et ça non plus. Ouais, mais là, en soi, c'est peut-être pas mal qu'il l'ait quand même. Non, pour moi, heureusement qu'elle est là. Ouais, parce que. Mais même, elle, regarde, le pli. Ah ouais, ça l'a En vrai, le point de pli, il est vraiment entre là, les deux. Hein. Voilà. Parce que t'enlèves ça. T'enlèves ça, voilà, le tube, tout ça là, ça serait peut-être descendu un peu plus bas quand même. Voilà. Puis là, il y a le conducteur. En soi, c'est peut-être pas mal. Hein ? Ils nous font un peu chier pour les sécurités, mais. Ouais, mais en vrai, ça sert quand même. Les toilettes sont propres ? Non, pas encore. Je suis pressé d'aller déféquer dans un endroit propre. Bon, ça y est, c'est fait. Je viens de refixer mon boîtier hydraulique pour pouvoir basculer la cabine, parce que c'est important qu'il soit vraiment à sa place maintenant, parce que on a des découpes à faire. Sinon, dans la vie, à faire des petits trous avec ton petit forêt, tu fais quoi? J'adore faire des petits trous. T'adores faire des petits trous avec ton petit forêt. Ouais. Avec mon... Et après, je vais lui tarauder le... Le bout. Allez, on te regarde. Tu le regardes ta... Ah ouais, le professionnel. Regarde ça. Regarde là, hop, sur la petite croix là, tu vois. T'es le gars du copeau, quoi. Un petit tour. Moi, j'adore les copeaux. Ah, t'es le gars du copeau. Pécale. Quel homme, le capitaine. T'as vu? On dirait pas, hein, dans ses petits bras. Ah, il est tendu, quand même. Il est tendu, là. Je peux le poser, là? Ouais. Non, tu te mets sur le dos, puis on rentre à la maison. Non, tu voyais pas tout. Bon, aujourd'hui, Bastien, on fait du modélisme. Oui. Donc là, on est sur des charnières de capot d'une voiture à l'échelle 1/5. Ouais, 1/5. Voilà. Tous les camions, de toute façon, c'est... Ah bah un camion à échelle à 5e, je te garantis que ça fait quelque chose de costaud quand même. Ouais, ça fait gros un camion à échelle à 5e. Non, mais ça va être la passion. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai vu là, il y avait une boîte avec des lentilles saucisses. C'était pour Captain. Non, mais c'est vrai, il y avait des lentilles saucisses tout à l'heure. Mais il n'y avait pas marqué dessus Captain, non? Non, spécial Captain. Non, mais je rigole pas, il y avait bien des lentilles saucisses. À moi? Ouais, posé sur le truc. Il les a bouffées. Ah, c'était à toi? Ouais. Elle est là. Ah, il a fait. Elle fait lui voir. Ouvre la boîte. Ouais, qu'elle était. Vas-y, ouvre. Fais-lui sortir quand même. L'autisme. Ah, c'est pas des saucisses? Si. C'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. Vas-y, approche. On voit que tu y allais. Il y a tout dedans. Ah, si, il y a de la saucisse. C'est validé? C'est validé. Capitaine, prends la caméra parce que là, ça devient compliqué. Donc, j'avais besoin de vraiment savoir à combien de mètres je me suis situé du mur. Donc là, on est dans un moment... Je connais un... Il y en a un, à un moment donné, si ça se passe bien, il devrait prendre un bout de mètre dans la figure. Dans la gueule. Waouh. Et ben voilà. J'ai été mauvais. J'ai failli. Bon, sinon, Capitaine, t'en es où sur la pointe? Parce qu'on a encore du boulot. Hein? Oui. Allez, avale. Avale. Oh, on va être en retard pour le café. Ah, il lui a bouffé la poire. Ma poire unique. Ta poire unique. C'est là qu'il y a une grosse soirée? Oui. Il y a la queue là. Ah, il y a la queue. Ah. Eh ben, tu viendras faire la vaisselle chez moi, toi? Il est mignon quand même. Oh. Du coup, moi, je laisse ma fourchette pour le prochain coup quand même. Oui. Voilà. Tu reviendras. Bah, je compte bien, oui. Café est pas mauvais. Qu'est-ce qu'on va faire sans les gens sont désagréables, mais le café n'est pas mauvais. Oui. Bon, pendant que Bastien est encore sur ses maquettes, nous avec Dylan on va faire un truc vachement plus intéressant. Hein? Allez, dis donc. Hein? Oh, hey. C'est maintenant? C'est maintenant. Bon, hey, Captain. Oh. Soit tu portes, soit tu tiens la caméra. Je m'en fous. T'as 50 ans. T'as 50 ans. Je voudrais encore te garder. Je voudrais encore te gagner quelques années. Ça, tu alors, tu je vais prendre soin de toi. Ménage-moi un peu. La caméra pour montrer à ses abonnés qui bossent un peu, mais bon. Ménage-moi. Ah, et c'est vrai que quand je viens chez vous, à part boire du café et finir la tasse, c'est plutôt calme. Hein? En principe, je repars, je suis propre. Ça se glisse juste dessous. Est-ce
que c'est pas la passion. Oh si, c'est la passion. Oh là. Tu fais un beau piqué trépied caméra, Captain. Merci. On a vu ton internasal quoi. Je suis enrhumé. Allez, tchoum. Bon alors que ça dit quoi? Oh c'est cool. Il en dit quoi le chien? T'en dis quoi toi couille? Hein? Toi t'en dis que tu ferais bien une petite caresse quand même. Ouais ouais ouais. Ah, mange-le pas. Il a cru que c'était une croquette. T'as le poil doux et soyeux. Pas comme le Captain. Ah bah non, moi c'est... Rendez-vous en terrain connu. Ah oui. Aujourd'hui. Dans l'oreille. Wow, il y a du monde là-dedans. Qu'est-ce qui a filmé mon oreille là? Il y a des visiteurs. Ah ouais, venus d'ailleurs. Oh. Non, alors en vrai, ça biche. Oh, Captain, je suis sûr que t'es en train de te dire que je veux le même devant la cheminée, quoi. Ah non, c'est beau. C'est exactement comment je voulais. Après, il va y avoir la coquille et Pitou, c'est la passion. Quand il aura fini de nous dessiner des mini micro-charnières. Oh oui, Tiens, il y a mes copains d'en face qui arrivent. Ouais, tu vois, là, il y a... Pourquoi t'as pas le droit à l'erreur? Parce qu'on peut pas replier une tôle. Ouais. Non, mais en vrai, esthétiquement, si on fait 140 par 140, ça fait un carré. Ouais, ça fait un petit carré. Et je pense que ce serait joli. C'est beau. C'est beau. C'est beau. On parle là-dessus? Allez, on parle là-dessus. On parle là-dessus, monsieur. On parle là-dessus. Vendu. Captain, on parle là-dessus. On parle là-dessus. C'est sûr. Captain, c'est pas de quoi on parle. Je sais pas, mais... Ouais, de toute façon, ouais, mais j'en ai rien. Captain, du moment qu'il y a à boire, à manger. Hein. Du moment qu'il y a du café. Voilà. Par contre, j'avais plus de lentilles. Ah, oh, superbe! Oh, la mécanique quand t'as un chien. Et encore, t'as de la chance. Hein. Moi, c'est le capitaine qui me roule dessus comme ça quand je me penche sous une bagnole. Il y a un coquin, le capitaine. Bon, si tu te loupes, la pièce est morte. Hein? Bah, on vient d'en boire. Ah, c'est trop bien, j'avais pas capté. Ça fait un an et demi que tu viens ici tous les jours. Et toujours pas, ah, pas tous les jours, mais non, en vrai, j'avais pas capté que ça fonctionnait comme ça. Ouais. C'est beau, la technologie, ça. C'est vraiment pas mal. Tu veux qu'il fasse du bon? Alors, du coup, j'ai sûrement l'explication pourquoi sur les marbres il y a tout le temps des trous comme partout, comme ça. Exactement. Okay. Mais au début, ouais, je me disais c'est peut-être pour un souci de poids parce que c'est très lourd et ça pèse. Et, mais en fait, non, c'est surtout peut-être pour brider les pièces comme ouais. ça. Quoi. Et t'as plein d'outils. Ah, laisse ton doigt, Captain. Sors ton zizi sinon. Hein? Non. Non. J'en ai encore besoin. Ah oui, à ton âge. À ton âge. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Plus que ça qui marche, couillon. Ça marche encore? Ça marche encore? Ouais. Ouais. Avec ou sans la drouiller? Sans. Petite pilule bleue quand même? Non, non. Non? Non, 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 non. Ça c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, ouais. Ça se termine? Ça se passe comment? Alors, retournez avec le capitaine. Moi, je dessinais là-dessus. Moi, je faisais des dessins sur la table. Avec le petit homme qui dit qu'il va bien. Ouais, alors là, c'est plus ton époque à toi. T'as pas eu ça, toi? Non. T'as pas le mec qui a écrit avec la plume d'oiseau? Non. Dans les années 40 à l'école? Non. Tu vois, je suis pas si vieux. T'étais à l'école à quelle année? 34, 35. Oh, ouais. T'as connu la guerre, toi, Captain? T'as connu l'amour, mais pas la guerre, c'est ça voilà, que t'as dit? C'est ça. Oh, l'amour, quel poétique, le Captain! Ah, t'as froid d'oreille. Et parti à la pêche au canard. Est-ce que ma barque est prête? Est-ce que ma barque est prête? On est parti à la chasse au coin. Eh non, mais c'est pas un bob. C'est un chapeau pour aller au gala de course de chevaux. Non? De chevaux. Les courses à chevaux, tu sais? Les vieilles bourgeoises dans les années 50-60, là. Ah, le polo. Ouais. Non? Non, les courses à chevaux, le PMU, quoi. Tu sais que ça te va bien, toi? Ah ouais. Le bon classique. Non, voilà, c'est le bob du mont classique pour le captain. Ouais. C'est la passion. Voilà. Ah. Hey cowboy. Hey cowboy. Je me l'ai rendu dans une galanjo. Amenez-moi le labrador. Ça va pas les conneries. Moi je vais pas faire un tour à cheval, je vais faire un tour d'escargot. Allez où ma cagouille? Là, on est dans le. À voir sur la longueur si ça revient pas un peu trop vers l'avant. Ouais, parce que tout à l'heure quand il mesurait, ça faisait vachement bifurquer sur le cou. Et là c'est pareil, là on voit que ça part. Là. Vers l'avant? Faudrait que tu retournes vers le pneu. Voilà, faudrait que tu sois un peu plus comme ça. Ouais. Même là, ça demande encore à revenir encore un peu. Voilà, là t'es bien. T'es bien. T'as vu, j'ai chopé l'accent et le. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Là on est bien. On est bien. On est bien. Le pain au chocolat, c'est bien. Oh, les couilles, ça biche. Bon, faut pas regarder le cul parce que là, je m'apprête à repartir. Mais sinon, c'est quand même pas mal. Ah oui. Oh, faire cracher le V, oui. Bon, on a été obligé de modifier un peu Margot. Ouais. Je vous expliquerai à la maison. Ça va être la passion. Mal
photographe. Non, c'est non, pour ça, Insta, ça. Ça, ça va être Instagram, ça, c'est pour les followers. Tu la veux, celle-là? Elle t'est plus chère, celle-là, elle t'est plus chère. Vous avez bien bossé, les gars. Franchement, je suis content. Ça habille, hein. Pour une première, c'est pas mal. Ouais, première d'une longue série. Ah ouais, vous êtes dans le tuning, vous avez laissé la trappe ouverte. Ah ouais, et la coquille Saint-Jacques, ça, ça va devenir un best-seller, ma couille. Non, non, les proportions, elle est trop belle. Elle est trop belle, elle est pile à la taille qu'il faut. Non, elle est vraiment belle. Ça, c'est... Les lobards, quand ça va être peint, quand on va y avoir les petites coupiottes dedans. Ça, c'était une idée qu'il a eue à un moment donné. Je me suis dit, vas-y. Comme les lobards. Moi, je lui ai dit, vas-y, chaud, fais. Ah, ça a été grave relou. Aujourd'hui, je vous ai pas beaucoup filmé parce qu'on se pressait un peu, parce qu'on est pris par le temps. Et le temps, c'est de l'argent. Hein, ah, hein, capitaine. C'est et un chantier qui l'attend, là, là, faut qu'on y aille, là. Et je vous montre. Il a 6 lentilles sur le feu. Oui, voilà, ouais. Non, mais là, je dis des conneries. Capitaine, il n'y a rien qui l'attend. Parce que du moment qu'il est avec sa couille préférée, ouais, moi, du moment, hein, c'est du moment, le principal. Du moment, voilà, voilà. Ah, il y en a un autre à qui je dois manquer, la Zezette. Et est-ce qu'on ferait pas... ouais, remarque, des photos, il a dû faire ce qu'il faut, mais moi je vais en faire une aussi devant votre logo. Parce que bah là, réellement, vous êtes les seuls, vraiment, que quand je vais quelque part et que je filme, je branle pas grand-chose et je tiens la caméra. Et là, en vrai, vous avez bien bossé. Ce mois-là, à part passer les outils et serrer 2-3 vis, bah, c'est vraiment votre fabrication à vous. Et vous pouvez être fiers, les gars. Vous pouvez être fiers. Qui a fait ? Non, mais moi, c'est du gazois, c'est pas de l'acétone. Ah, c'est pour les petites marques. Ah oh ouais, comment c'est beau, bordel. Vous aurez vu, mon gars. Ah, ça habille, hein. Voilà, c'est là que va partir mon PEL d'ici les prochaines heures et les prochains jours et les prochains mois et les prochaines années. Mais merci de m'avoir fait une belle trappe, quand même. Oh, c'est beau, Captain. Oh. Tu sais quoi, j'aimerais te voir glisser comme dans la pub, please. Parce que, Captain, faut le savoir, en soirée, c'est le professionnel de la glisse. Ah, j'ai envie de te voir trapper le téton, là. Ça fasse du copeau, ça va être magnifique. Bon, les coins-coins, vraiment, encore merci, hein. Ça fait plaisir, c'est la passion. Moi, j'ai encore des trucs à faire dessus et c'est oui. Pas le moment de conclure. C'est pas le moment de conclure la vidéo. Mais ouais, alors, il a loupé un épisode. C'est ça que t'allais faire d'ailleurs. Ouais. Tout le temps en retard, celui-là. C'est quand que tu le vires, sérieux? Hein, je peux pas le virer, c'est lui qui va me virer. C'est lui, le patron. On va se virer tous les deux. D'accord. Il n'y aura plus personne ici. D'accord. Virer mutuellement. Les canards, retour à la mare. Okay. Exactement. Bon, avant que je retourne dans ma mare, dans la mienne de mare, est-ce qu'on se baiserait pas un petit café quand même? Oh putain, je veux dire qu'il nous en baise du café. Tu comprends pourquoi il À défaut de baiser ta femme, est-ce qu'on baiserait pas un petit café? Oui. Les couilles, on est de retour à la maison. J'ai mis un petit coup de lavage au barnet. Oh le plaisir. Oh, c'est devenu quelqu'un. Là, il est beau. Là, il est beau comme un camion. Non, vraiment, la petite partie carénée, ça te change vraiment. Ça change vraiment la mouille. Non, vraiment, c'est cool. Bon, alors, avec le recul, il y a quand même 2-3 bricoles que peut-être que dans l'avenir, je rechangerai. J'avais dit ça sur le ton de la blague. Mais en vrai, si les graineries, ils tombaient vraiment alignés entre les parties, ça serait quand même vachement plus sympa. Par contre, ça, la petite trappe, là... Ça vraiment c'est un régal. Au moins c'est propre, c'est pas juste un trou rond. Ça finit bien, ça lisse, ça harmonise le tout, c'est vraiment chouette. Là maintenant, j'ai hâte d'une chose, bah, c'est tout redémonter. Je peux tout peindre les couilles, parce que là on en est là. Concrètement, Barnet, une fois que j'ai peint ça, il n'y a plus rien à peindre, c'est fini. Je réfléchis quand même, mais non, mais c'est vrai. Une fois que je vais avoir fini de peindre tout ça, le projet Barnet en peinture est terminé. J'aurais plus que les liserés à faire et puis à reprendre ce petit carénage-là parce que les salopards de canard, ils me l'ont saboté. Mais bon, je vais le repeindre et je vais refaire mon petit liseré. Et ouais. Bon, il y a une chose que j'hésite encore, c'est le coloris du plancher. Soit rouge, soit noir. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait parce qu'il y a tellement de combos possibles. Tu peux le faire noir en reponçant et faire apparaître les graineries en aluminium et tout revernir. Tu peux faire tout rouge ou rouge pareil avec les petits traits qui ressortent. Après, tu peux même partir dans un gros tuning de fou, c'est-à-dire noir avec les petits haricots en rouge. Mais ça, je vais pas le faire, ça fait en rouge et noir. Et jeune masse, ça va. Ça va. Non, le mélange du rouge et du noir, c'est pas le meilleur, malgré que j'en ai sur mon camion. Sur des gros éléments comme ça, je trouve que ça va faire, ça frappe trop. Et puis en vrai, j'ai pas envie de me faire chier à faire ça. Parce que la technique, en fait, pour faire ça, c'est en gros, si tu veux les haricots rouges et que ça soit le fond noir, tu peins d'abord tout ton châssis en rouge. Après, tu peins tout en noir et tu viens poncer gentiment, mais avec du papier ultra fin pour venir découvrir juste le rouge. En fait, t'enlèves juste le noir sur le dessus. Et dès que le rouge arrive, t'arrêtes, tu revernis tout et voilà, t'as ce rendu comme ça. C'est long et chiant. Très franchement, c'est long et chiant. Et là, j'ai pas envie. Et en plus de ça, ça va pas être super esthétique. Donc, dites-moi ce que vous aurez fait. Soit full noir, soit noir avec les grains gris, soit rouge avec full rouge, soit rouge avec les grains gris.
Voilà. Votre avis m'intéresse, les couilles. Oh, les couilles, ça me fait grave plaisir de vous remontrer Barney une fois terminé, parce que là, c'est le grand retour. Là, depuis le temps que vous me demandiez, ma couille, il est où Barney? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu bosses plus dessus? Alors si, ça a bossé dessus. Alors, là, en fait, réellement, vous avez vu toute la partie manuelle de la fabrication de toute la partie tôlerie. Mais en amont, il y a un gros travail de réflexion, mais surtout, en fait, vous vous rendez pas forcément compte, et à filmer, en fait, tu le filmes pas, parce que c'est là-dedans que ça se passe. Des carénages, il y a plein de gens qu'on a fabriqué avant moi, et c'est pas une nouveauté en soi. Mais par contre, moi, je voulais vraiment quelque chose qui soit cohérent avec les lignes du série 4. Je voulais vraiment que ça commence à cette hauteur-là, sauf que pour que ça commence à cette hauteur-là, faut que tu calcules ton faux châssis dessous, à quelle hauteur il doit être, avec telle section de tube, machin et compagnie, pour que quand une fois que tu mets ton revêtement, tout soit vraiment à fleur. Après, une fois que t'as fait ça, ça te permet de calculer ta hauteur de jupe, parce que tu peux la faire plus basse, tu peux la faire plus haute, mais moi, vu que je voulais mettre une low bar, et bah, fallait la faire d'une certaine taille, parce que je voulais que la low bar, une fois à sa taille terminée en hauteur, ça soit cohérent avec la bavette avant, et que ça soit cohérent avec la bavette arrière. Alors c'est pour ça que le pare-choc s'arrête à cette hauteur-là, parce qu'une fois que va y avoir la bavette, normalement, ça devrait être à la même hauteur que ma low bar. Comme ça, le barnet, quand on le regardera de côté, et bah, il sera uniforme sur toute la longueur. Il y aura juste la bavette avant qui sera légèrement plus bas, parce que c'est plus joli quand t'as quelque chose à l'avant qui est un petit peu plus bas que le reste. Mais voilà, la fabrication de la coquille, c'est pareil. C'est décider de la forme qu'elle va avoir, de la largeur qu'elle va prendre, la taille de la niche intérieure, l'emplacement des trous pour les feux de travail. Enfin voilà, tout ça, c'est un truc de ouf à se dire, je veux ça, et je veux que ça soit placé comme ça, et que ça soit comme ça, et puis imaginer pour que ce soit le plus beau possible. Donc là, en vrai, je suis vraiment content. Je le répète, je suis pas le premier à faire des jupes, des couvre-châssis. Mais là, vraiment, les dimensions, elles me plaisent vraiment bien, et c'est grave joli. Pareil pour le pare-choc arrière. Mon seul petit regret sur le pare-choc arrière, c'est qu'il est pas à la même hauteur que le couvre-châssis. Et après, ça faisait faire un pare-choc vachement plus haut. J'ai fait des simulations, c'était pas forcément ce qu'il y avait vraiment de plus joli. Donc voilà, là, pour l'instant, on a fait comme ça. Et la ZZ, c'est pareil. La ZZ, je vais l'aligner. Je vais l'aligner sur le barnet, ça va être cohérent. À la hauteur de la bavette, ça va bien se passer. Qui est ZZ? Ça, c'est lesquels papiers qu'il faut lui mettre? Tout ça pour passer d'un vidéo. Non, du tout. Oui, c'est que je vais lui mettre ça. Si tu viens de voir mon papier. Non, parce que notre petit chauffeur a demandé à ce qu'on lève son petit truc pour ce. On est trop gentil avec lui. Les papiers. Bah dans le camion. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de boulot. J'espère vraiment que ça vous a plu. Encore un grand merci à l'équipe des Coincoins. On mettra leur lien en description, avec le lien de notre ami Quentin de Montargis, avec le lien aussi de leur ami TikTokeuse. Voilà, on va vous mettre une palanquée en description. Un grand merci aussi à Pierrot, Polytruck. Voilà, la grosse passion. Bah dans la suite de l'épisode, vous verrez Pierrot en avance. Il m'avait déjà fourni tout ce qui était feu, les doubles ampoules, les feux de travail pour la potence. Voilà. Pierrot, toi, tu l'appelles, tu dis, écoute Pierrot, je suis sur un dossier, il va y avoir un gros projet. Ah voilà, c'était Barnet. Pierrot, il a répondu présent, il s'est pas posé de questions, et ça fait vraiment plaisir. Donc là, maintenant, prochaine étape, on va tout redémonter, on va tout repeindre, on va tout remonter en élec, c'est de la passion. Va me chercher. Lève-la. Alex. Ah! Qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as trouvé? Non, c'est que je voulais voir dans la trappe où ils mettaient les chiffons, je voulais mettre le chiffon dedans. Mmh. Et j'ai tiré sur la trappe. Et c'est parti. Ça tient pas. T'as cassé Bobby, Zazette. Oui. T'as cassé. J'ai tiré, puis. Bravo. J'arrive pas à le remettre. On applaudit Zazette en commentaire. C'est pour ça que je me dénonce. Bravo, Zazette. Quoi? Ça y était déjà? Non? Tu viens de péter le câble? Pour ouvrir sa trappe. Mais non, en fait, j'ai tiré, c'était tout mou, alors... Oui. Comment on fait? Je vais dire que tu as cassé le camion. Oh. Eh, c'est notre camion, hein? Oui, mais j'ai pas dit qu'on lui avait cassé son camion. J'ai dit, je vais lui dire qu'on a cassé le camion. Bah, tu vois, voilà. C'est bien, Zézette. Bon. Ah, c'est mignon tout plein. Non, vraiment, ça fait plaisir. Vivement la peinture. Dites-moi en commentaire, ouais, le coloris que vous pensez qui sera le mieux. Alors, je pense que je vais peut-être partir sur rouge. Je vais voir. Très noir, ça pourrait être joli aussi. En sachant que le pare-choc arrière va être rouge, je me dis que du coup, la potence va être rouge aussi. Oh, je sais pas. À réfléchir. Bon, les couilles, avant de finir ce petit épisode, oh, j'adore cette vue maintenant quand c'est comme ça. Faut que je vous parle de deux choses. Le Nuts Motor Show et les mini bobies. Bon, Zazat, ça te plaît? Ah oui. Ah oui, c'est la passion, ouais. Est-ce que c'est la passion, Zazat? C'est la passion. J'allais leur parler du Nuts Motor Show, t'as un truc à dire? Dépêchez-vous d'envoyer vos prescriptions. Parce que vous savez pas, mais c'est ma brave Zézette qui s'occupe des formulaires et tout. Ouais. Il y a encore des retards datés. Hein. Il y en a qui disent, ah ma couille, machin, faut que j'aille faire des photos du camion, machin. Bon, on vous laisse jusqu'à la... On se dit vendredi soir. Ouais. On sera vendredi 23, Zézette. Voilà. Voilà. Donc on vous laisse jusqu'à vendredi. Passez ce délai. Tant pis pour vous.
checkez bien votre point de mail, regardez même dans les indésirables, parce que à partir du coup, c'est la dernière semaine. Après, ça sera trop tard. Voilà. Bon, maintenant, on va parler d'autre chose. Maintenant, on va parler des mini bobies. Alors, les mini bobies, ça y est, ils sont rendus en Hollande. Ça, je vous l'ai déjà dit dans un épisode précédent. Je dois les recevoir là dans une semaine ou deux. Enfin voilà, c'est en route pour chez moi. C'est en train de se mettre en place. Donc bientôt, les mini bobies arrivent. Les couilles, j'ai vraiment hâte de vous les montrer. Oui, il y a eu un peu de tuning de fait ce week-end. Ouais, même que c'est plus moi qui roule avec au quotidien, je continue à bosser dessus parce que c'est mon camion et ça me fait plaisir. Donc les mini bobies, ils arrivent et à chaque fois que j'en parle, je reçois des mails tout le temps me disant comment je fais pour commander mon mini bobby. Alors je le répète, ils étaient en précommande, donc c'est pas possible d'en racheter d'autres. J'ai rediscuté avec WSI. Si j'arrive à en avoir 100 nouvelles commandes, au minimum 100 nouvelles commandes, on pourrait en relancer une prod. Donc restez connectés quand la vidéo des mini bobies. Je vais faire une vidéo quand ils vont arriver parce que j'ai tellement... Ça va être beau, ça va être magnifique. Tous ces bébés, petits caillons devant leur géniteur. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Je ferai une vidéo à ce sujet. Je vous expliquerai tout en fait. Je vous montrerai la miniature et tout pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'en avoir un. Mais ce que je ferai, je pense, on fera un process en fait pour pouvoir en refaire. Et si j'ai 100 personnes qui sont intéressées et qui sont prêtes à précommander leur mini bobby, et bah dans ce cas là on lancera une prod. Mais par contre, du coup, vous le savez maintenant, hein, moi j'en ai subi les conséquences. Ils disent qu'il y a 6 mois de délai, il y a un an. Donc en gros, entre le moment où on fera les précommandes, s'il y a précommande, et le moment où on les recevra, il se passera un an. Voilà. Donc voilà, c'est la solution que j'ai trouvée pour essayer de limiter, enfin d'essayer de faire des heureux, parce que là du coup, dès que Barnet, on va arriver à la fin, on va faire les mini Barnet, et moi j'ai vraiment hâte d'avoir les petits camions les uns à côté des autres, c'est trop beau. Donc on va terminer de clôturer d'abord les mini Bobby, et après on fera les mini Barnet, ça va être la grosse passion. Bon les couilles, j'espère que ce petit épisode vous a plu, mais là je pense qu'on vous a fait une farine de blé. Là je pense qu'on est sur un épisode qui est assez conséquent et lourd, voilà. Je pense qu'on est au-delà des... on doit approcher l'heure de vidéo là, je pense. Bon, moi j'ai pris un grand moment de plaisir avec l'équipe de Duke Machine pour... réaliser tout ça, parce qu'il y a plein de trucs que vous n'avez pas vu en off, mais c'est des échanges jusqu'à tard la nuit pour savoir comment on faisait quoi et quoi. Donc un grand merci à vous les gars. Je vous mets leur lien en description. Je l'ai déjà dit, mais je leur redis. Un grand merci au capitaine qui m'a accompagné. Enfin voilà, merci à tous ceux qui... Merci à tous. Voilà, merci à vous les couilles aussi de suivre mes petits projets comme ça au quotidien. Barnet, c'est pas fini, mais là, il y en a un gros bout de fait. Il y a l'intérieur aussi, ça avance. Enfin voilà, on continue. C'est la grosse passion. Là vraiment, sa grosse passion, il commence vraiment à ressembler au camion que j'ai toujours rêvé. Et ça fait chaud à mon petit cœur. Un grand merci aussi à Pierrot, voilà, Pierrot de chez Polytruck, parce que c'est aussi grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui. Voilà, pour tout ce qui est équipement tuning de la passion. Bon bah tout sort chez lui en fait réellement. Donc si t'as envie de te faire plaisir toi aussi, t'as moins 10% avec le code promo NotesMotor sur toute la boutique, sur tout le rayonnage, sur tout le personnel du magasin. Vous allez voir, il y a un épisode qui arrive normalement la semaine prochaine. On devrait passer un bon moment aussi. Voilà les couilles, c'est la fin de ce grand épisode énorme. Prenez pas trop l'habitude. Là, c'était vraiment exceptionnel. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était le grand retour de Barnet. Moi, maintenant, il me reste à te dire lundi prochain, 19h, pour de nouvelles aventures. Pense à t'abonner en partant. YouTube, la clochette. Et tu peux me retrouver aussi au quotidien sur les réseaux Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. Voilà les couilles. Allez, passez une bonne semaine. À lundi prochain, 19h. Ciao!